bienvenue en ce jeudi 25 mars pour le WOD number 175. Exactement, le 175e WOD. On n'en arrête plus. On ne nous arrêtera jamais. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, le Metcom va être extrêmement simple. Ça va être 2 minutes de travail, 1 minute de récup. Pendant vos 2 minutes de travail, vous allez faire un maximum de répétitions pour arriver jusqu'à 100 reps sur les Sumo Lady Fight Pool, sur les Hollow Rock et sur les Goblet Squat. Les Goblet. Voilà, c'est mon bois. Alors, tous ces mouvements sont absolument rap. Exactement. C'est justement, c'est la période des Open. On a profité pour revaliser les standards avec ce mec. Très bien, bref. On va commencer donc par l'échauffement, c'est une bonne chose. Ça sera un émum de 8 minutes. Minute 1, vous ferez 10 fentes en allant chercher au sol. Je fais une part vers l'avant, je vais chercher au sol et je reviens. Voilà. Donc vraiment, le but du jeu, c'est de commencer à activer un peu le pivot au niveau des hanches, d'échauffer bien la prochaine postérieure. Donc aller chercher loin vers l'avant. Ensuite, quand c'est 10, c'est 10 à 5 à droite, 5 à gauche. Hein. Ensuite, il y a 10 répétitions de good morning. Pied largeur de hanche, le genou légèrement fléchi, on bascule les hanches à l'arrière. Et on revient, le dos bien bien plat et les omoplates serrées. Dans le temps qui vous reste de la minute, vous ferez un maximum de statique en holo. Je contracte les fessiers, je serre les pointes de pied, je tends les jambes, j'enroule légèrement les épaules. D'accord, ça ne veut pas dire je les monte, ça veut dire j'enroule. Si vous n'arrivez pas à maintenir les mains derrière la tête, vous pouvez mettre les mains le long du corps. Si la position jambes tendues est compliquée pour vous, vous commencez à creuser le dos, vous remontez les genoux en position de tuck, comme on dit en anglais. Ça, c'est la minute 1. Minute 2, on enchaîne avec 10 rotational lunges. Je fais une rotation, voilà, je fais le zombie. Voilà. Soyez contents, il n'est pas en train de chanter. Exactement. Je suis dans ma période Henri Dess en plus en ce moment, c'est magnifique. Très bien. Donc 5 à droite, 5 à gauche. Ensuite, 4 inchworm. Pas de push-up. Je vais chercher le plus loin possible. Et je reviens. Galagala. J'ai ma guitare dans 2 secondes, vous allez voir. Ok, et on termine par un maximum en iso row. Je penche en avant, je serre mes omoplates et hop, je maintiens. Avec une serviette, un élastique, n'importe quoi, ça marche. Par contre, vraiment rester les omoplates serrées, épaules basses. Ok, on relâche pas le jeu. Vous avez entendu un chien, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ok, donc ça c'est minute 1. N'importe quoi cette boxe. Minute 2. Ensuite, on passe à la mobilité, ça sera une minute de frog stretch. Vous écartez vos genoux, vous essayez de ramener le bassin le plus proche possible du sol, les pointes de pied vers l'extérieur si possible. Bon, là, il est un peu proche du mur, mais sinon ça marche. Ok. Allez, viens. Ok, on essaie vraiment de descendre et au fur et à mesure de la minute, essayez de chercher de plus en plus d'amplitude. Ça, c'est la partie échauffement. Et après, on y va pour le Metcon. Donc, le Metcon. Pendant 2 minutes, vous travaillez, pendant 1 minute, vous récupérez. Vous ne changez pas d'atelier tant que vous n'avez pas fini les 100 répétitions. On vous connaît. On vous connaît. Attention. Donc, sumo Defy Pull, j'écarte mes pieds plus larges qu'un squat. Je vais faire un pivot au niveau des hanches, donc je garde bien mon buste solide et mon plat serré. Je remonte, je fais l'extension de hanche, et une fois que j'ai fait l'extension de hanche, je monte mes coudes qui doivent rester au-dessus de mes poignets. Théoriquement, vous devez essayer de monter vos mains jusqu'au clavicule. Okay, faites attention à la poignée, donc si vous laissez légèrement en dessous, ça va aussi. Okay, faut pas que vous preniez le kettle dans la bouche. Donc vous faites un maximum de répétitions pendant les 2 minutes. Quand ça bip, hop, vous prenez une minute de récup et vous repartez. Placez-vous vraiment aussi bien à la montée qu'à la descente. Hein. Ici, je pivote. Vraiment, l'extension de hanche doit amener le mouvement. C'est pas je tire sur les bras, extension, tirage. Ok, deuxième mouvement, hollow rock. On se remet dans la position hollow de l'échauffement et on bascule d'avant en arrière. L'erreur numéro 1 que nous voyons là-dessus, c'est quand on est en position, soit on relâche les jambes, soit on relâche le dos quand on est en bas. Donc ici, au lieu de rester bien gainé, hop, il va toucher les épaules et il revient. Donc non, vous devez rester tout le temps gainé, vous donnez un mouvement qui va lancer et vous devez rester gainé. Ok, donc ça, c'est les hollow rock. Et dernier mouvement, sans répétition, de goblet squat. Vous pouvez prendre de cette manière-là, vous pouvez prendre par les hanches, c'est comme vous voulez. Par contre, vous serrez vos omoplates et votre dos, vous ne vous laissez pas arrondir, vous luttez contre ça. Pied, largeur d'épaule, on déverrouille les hanches et on descend. Même chose, déverrouiller les hanches, ça veut dire je pivote le buste légèrement vers l'avant. Ok, c'est ce mouvement, pas plus que ça. Et c'est pas je twerk.
Et je ne vous ferai pas une démo. Je ne peux pas encore, je suis pas assez bourré. Revenez dans deux minutes. Je n'ai jamais vu ça. Très bien. Bref, c'est ça le format du jour, 2 minutes de travail, 1 minute de récup, 100 reps de Sumo Deadlift High Pull, Holorock et Goblet Squat. On essaye d'aller le plus vite possible. J'ai mis un cap time à 16 minutes, mais normalement en 10 minutes c'est torché, les gars. On y va, ça va vite. Vous êtes en forme. Voilà, le Eric c'est pas très lourd. 24 pour les hommes, 16 pour les femmes. Si vous n'avez pas de kettlebell, vous pouvez le faire avec une haltère, ça marche très très bien aussi. Et si vous êtes vraiment avancé, vous pouvez monter à des charges plus lourdes, 32-24. 64. 72, allez, on est parti. Si vous trouvez la kettle de 72, vous nous en faites une photo, vous la mettez en commentaire en bas. S'il vous plaît. On finit par un peu de renfo, on vous laisse regarder la description du renfo en bas, ça sera un bicep pour le travail du dos. Et après, on passe au stretch. C'est des biceps. c'est des gros biceps. Mais vous comprenez pourquoi je ne me rase plus? Je suis complètement perdu, moi. Fatigué. Je ne peux plus, moi. On termine avec l'échauffement, jeune Jean. Alors, on termine avec l'échauffement, c'est bien. J'espère que vous avez bien noté. Échauffement pour terminer. Allez, stretch donc. Oh, je me casse, moi, elle m'a fatigué cette vidéo. Stretch, fessiers, abdos. Abdos, avant-bras, parce que vous avez quasiment tout le temps quelque chose dans les mains. Et les quads. Évidemment, ce n'est qu'une suggestion. Si vous préférez vous faire des massages et automassages, allez-y. Si vous voulez étirer d'autres parties de votre petit corps, si allez-y. Si vous avez envie de vous refaire un warm-up, on ne sait pas. Voilà, si vous avez envie de retourner sur une deuxième séance, un deuxième échauffement pour terminer la séance, parfois ça se fait, donc allez-y. Sinon, on est bon pour aujourd'hui. On vous souhaite un très bon jeudi. Et bon courage pour demain, dernier What des Open. Allez, la sélection est bientôt terminée. Bonne journée.